que c'est que ce bruit? Oh, c'est Barry le bus. On dirait qu'il est pressé. Est-ce que ça va, Barry? Oh, tu as peur d'être en retard? Tu n'arriveras à rien comme ça, mon ami. Voyons voir ce que tu as. Vert, tu peux aller chercher ma meilleure clé à molette. Oh, Vert, tu es stressé, n'est-ce pas? Je pense qu'on a tous besoin de respirer profondément. Laissez-moi vous montrer. D'abord, on prend une profonde inspiration. Ensuite, on expire. Maintenant, essaye. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, voilà. C'est mieux? Souviens-toi, il est toujours bon de prendre une grande respiration si tu es stressé. Au revoir, Barry. Bonjour à tous. Nous sommes à la base de 4. Elena a besoin d'un nouveau jeu de lame rotative. Oh, un peu de musique pendant que tu travailles. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attacher les nouvelles lames. Hein? Il n'y a plus d'électricité. Il doit y avoir une coupure de courant. Oh non! Elena ne peut pas voler. Mon système d'alerte ne fonctionne pas. Que ferons-nous s'il y a une urgence? Attendez tous! J'ai une idée! Avec ces vieilles palettes, on peut construire une éolienne et produire de l'énergie à partir du vent. Oh! Youh! Merci, Rouge. Ne lâche pas. Une fois qu'on exposera ces palettes à l'air, le vent les fera tourner et générera de l'électricité pour la base de 4. Maintenant, 4! Lâchez maintenant! Hé là! Tu n'es pas censé voler! Hourra! Et voilà! On a travaillé ensemble, en équipe, pour produire une électricité propre. Joyeux Halloween! Tout va bien, les mécaniciens. C'est juste moi, Gecko. Hein? Attendez une minute. C'est quoi ce bruit? On l'entend encore. Oh là là, j'espère que ce n'est pas un fantôme effrayant d'Halloween. Thank you.
Ouf. Peu importe ce que c'était, je crois que c'est parti. Ah! Ah! Oh! Oh non, les mécaniciens! Je pense que le garage est peut-être... hanté! Bleu. Attendez une minute. Bleu, avance un peu. Le bruit ne se produit que lorsque tu bouges. Pas besoin de paniquer, de trembler et de crier. C'est seulement la roue de Bleu qui grince. Une petite goutte d'huile va résoudre ça. Et on pourra dire « Adieu, fantôme !» Ouf, la panique est terminée. Maintenant, on peut aller chercher des bonbons. Joyeux Halloween à vous tous! Au revoir! D'où vient cette délicieuse odeur? C'est exact! Un kebab gratuit pour chaque client! Haha! C'est sûr, ça va me faire plus de clients! Allez, Eric! Ah, cuisine plus vite! Est-ce que quelque chose brûle? Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ce stupide barbecue? Non! Mon beau barbecue! Non! Fiona, le camion de pompier! Il y a un feu! On est sauvés! Aidons à éteindre ce feu! Allez, allez, les mécaniciens! Sauvez-le! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Je suis trempé! Oups! Désolé! Le tuyau n'est pas assez long! Bonne idée, Fiona! Utilisons l'extincteur! Oh! Je te tiens! Dieu merci, tout le monde est sain et sauf! Bon travail, tout le monde! À très bientôt! Au revoir! C'est Maman Camion et Bébé Camion! Pourquoi vous attendez ici? Le tunnel est bloqué et vous ne pouvez pas passer? Je vais jeter un coup d'œil. Waouh! Il y a eu un effondrement! Un autre effondrement! Nous sommes piégés à l'intérieur! Ne vous inquiétez pas, j'ai ma boîte à outils! On va avoir besoin d'une plus grande boîte à outils! Même Tilly n'est pas assez fort pour déplacer le rocher. Comment allons-nous sortir? Oh.
je ne savais pas que tu étais si forte. Maman Camion a sauvé la journée. Je ferais mieux d'appeler Eric la pelleteuse pour enlever toutes les pierres. À bientôt pour d'autres aventures au garage de Gecko. Ah, c'est tellement agréable d'être en vacances. J'adore le camping. Oh, le feu s'affaiblit. Jaune, tu peux aller chercher du bois, s'il te plaît? C'est le moment de raconter une histoire. Je crois que le livre d'histoire est dans la caravane, Vert. Merci, Jaune. Attends une minute. Ce sont les butées de roues. Ce qui veut dire... Vite! Arrêtez cette caravane! Ah. Il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Ah! Oh! Ouf! Merci, Hiver. Ah! Eh! Oh! 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 Eh! Ah! Ouh! Sacré coup de tournevis! Ah! Hourra! Bon travail, Tilly! Oh, bien joué, tout le monde! On l'a échappé belle! Oui, Vert, c'est maintenant l'heure de l'histoire! À la prochaine! Au revoir! Bonjour à tous! Nous avons juste fini de repeindre la moto de grand-mère! Pour lui faire une surprise spéciale. Oh, je n'aime pas les surprises, Geki. À moins qu'elle ne soit bonne. Bien. Ouvre les yeux pour une surprise spéciale. Oh! Saint Guidon! Quel travail de peinture parfait. Oh, Miles, ça te va vraiment bien, chérie. Allons faire un tour et te montrer. Un à la fois, les mécaniciens. Tu devrais être le premier à monter, Geki. Monte donc. Soyez sages, les mécanos. On ne sera pas long. C'est merveilleux d'être à nouveau ensemble sur la route, Geki. C'est vraiment le cas. Attention, grand-mère. Ça se manie comme un rêve. J'ai à peine remarqué que tu étais là, Geki. Geki? Tournevis rotatif. J'ai besoin de le stabiliser. Ouf, ça a marché. Hein? Mais je n'ai pas de frein de rechange. Oh! Oh! Accroche-toi, Geki. Grand-mère arrive. Continue à conduire tout droit, grand-mère. J'ai une idée. Prends soin de toi. Emporte toujours une pièce de rechange. Tu, comme je te l'ai appris. Oh. Oh. Ouf. C'était pas loin. Je vais devoir faire quelques ajustements. Je pensais peut-être à des propulseurs de fusée. Oh, grand-mère. On a fini, les mécaniciens. C'est le soir de Noël et le garage est magnifique. Vous savez ce que vous souhaitez du Père Noël? Oh, tu ne sais pas, Bleu? Eh bien, tu ferais mieux de te décider. Le Père Noël sera bientôt là. Oh, oh, oh! Oh, waouh! Je ne pensais pas qu'il arriverait ici si tôt. Ah, bonjour, Père Noël.
Gecko, j'ai besoin de ton aide. Mes rennes sont malades et mon traîneau ne peut pas voler. Et je dois le conduire dans le ciel. Si je ne livre pas tous ces jouets, il n'y aura pas de Noël pour les filles et les garçons. Ne t'inquiète pas, Père Noël. Nous allons le faire voler. C'est ça. Sauvé par l'équipe de Gecko. Alors voici un cadeau pour chacun d'entre vous. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Merci, Père Noël. Tu as décidé ce que tu veux, Bleu? Oh, est-ce que tu veux monter sur mon traîneau? Alors monte à bord et volons loin. Ho, ho, ho. Joyeux Noël de la part de nous tous, ici au garage de Gecko. Joyeux Noël! Bonjour à tous, on se prépare pour un carnaval. Les mécaniciens sont en train de terminer leurs costumes. Oh, j'adore ta veste, grand-mère! Merci, Geki. Le carnaval, c'est l'amour. Bon, où sont mes mini-métallos? Je veux voir leur costume. Une banane brillante. Oh, Bleu! Mon cœur! Tu n'as pas à être timide, Vert. Tu es superbe. Attendez, où est Rouge? Allez, tout le monde, commençons ce spectacle! Qu'est-ce qui ne va pas, l'ami? C'est le design de ton costume? C'est génial! Vraiment! C'est normal d'être nerveux, Rouge. Mais ne t'inquiète pas de ce qu'on pense de toi. Le carnaval, c'est l'occasion de s'exprimer et d'être fier de ce que tu es. Et je serai toujours fier de toi. Démarrez vos moteurs. Allez, Rouge, tu peux le faire. Je suis si fière de vous tous. Que le carnaval continue. Oh, bonjour tout le monde. Bleu et moi allons chercher un arbre de Noël pour le garage. Oh, hii. C'est Bobby le bus. Il est coincé. Oh! Ce chocolat chaud va te réchauffer. Ah. Ne t'inquiète pas, Bobby. On va vite te décoincer. Oh!
ce n'est pas bon. Décroche-nous, Bleu. On va essayer autre chose. Oh non! Maintenant, Tilly est coincée dans la neige. Oh, cher Bleu, on dirait que nous sommes aussi coincés. Ne sois pas triste, Bleu. Quelqu'un va nous aider. Au moins, on a ce chocolat pour nous tenir chaud. Oups! Regarde! Le chocolat chaud a fait fondre la neige. J'ai une idée! Ça a marché! Accroche-toi, Bobby! Il n'y a pas de quoi, Bobby! Mais qu'allons-nous bien pouvoir faire de cet arbre? Aha! Parfait! Joyeux Noël à tous! Oh, bien joué, Kat! Gracias, Gecko! On est à la base de Kat aujourd'hui pour son anniversaire. On lui a acheté un gros gâteau. Mais chut! Elle ne le sait pas encore! On doit aller sauver quelqu'un. Ne t'inquiète pas, June. Je dois juste ajuster le treuil. On doit tomber rapidement. Elena, arrête le rotor. Tu es prêt, Gecko? Presque, presque. Oui. Encore un atterrissage heureux. Et... joyeux anniversaire, Kat. Ah, gracias, amigos. Hourra! Ah, hourra! Bonjour tout le monde. Je suis en train de tester Miles, la moto. Et... son accélérateur reste coincé, donc il est difficile de ralentir. Waouh! Stop! Oh, il était temps qu'on répare ça. Je vais chercher une pièce de rechange dans le garage. Allez, les petits! Oupsie! Je vais t'aider à le trouver, grand-mère. Oh, la radio est toujours cassée. Hein? Ne t'inquiète pas, Gecko va te soigner. Oh, miaou, waouh! Regarde-toi! J'ai toujours voulu conduire une moto! Wouhou! Andale! Arriva, arriva! Et voilà, Miles! Wouhou! Grand-mère, tu auras besoin de ce tournevis. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tu as donné ta langue au chat? Non! Qui est là, ma moto? L'accélérateur est coincé! Je ne peux pas m'arrêter! Nom d'un tournevis qui tourne! Accroche-toi, Kat! Nous devons nous dépêcher! Allez, Ricky! Je peux te faire voler, chérie! Tu sais piloter un hélicoptère? Un peu rouillé, mais pilote un jour, pilote toujours! Kat, tu vas bien? Gecko! Cette moto est hors de contrôle! Elle ne veut pas s'arrêter!
parce qu'on est encore en train de la réparer. J'aurais dû demander d'abord. Attends, qui pilote Elena? Pas le temps d'expliquer. J'ai un plan. Grand-mère, fais-moi descendre. Oh, hein, wow. Il est temps d'aider nos amis dans le besoin. Avec une solution pour réduire la vitesse de Miles. Dépêche-toi, Gecko. Je n'aime pas du tout l'eau. Freine maintenant, Kat. Je suis désolée d'avoir emprunté la moto, Gecko. Eh bien, en fait, Miles est l'ami de grand-mère. Waouh! Tu dois être grand-mère Gecko. Je m'appelle Catalina Felina, mais mes amis m'appellent Kat. C'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous voulez des leçons de moto, il suffit de demander. Je suis là. Tu as la meilleure grand-mère du monde. Merci, ma chère. Elle me plaigue qui? Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Tu as raison, Vert. Il y a un feu. On dirait que Fiona, le camion de pompiers, est en route. Oh non! Maman camion et bébé camion font une course. Ils font trop de bruit pour entendre la sirène de Fiona. Fiona, il est temps que l'on t'installe une sirène plus forte. Allez les mécaniciens, il est temps de mettre une nouvelle sirène à Fiona. C'est ça. Il nous faut un son pimpon bien fort. C'est fait. Fais un essai, Fiona. Ce n'est pas le bon son. C'est celui d'une sonnette de porte. Essayons encore. Là, c'est le son d'un dinosaure. On a besoin d'un pimpon. C'était un pimpon. Mais il faut qu'il soit beaucoup plus fort, Jaune. Ce cône de signalisation t'a rendu plus bruyant. Peut-être que ça marchera avec la sirène. Ah, voilà un pimpon bien fort. Au revoir, Fiona. Merci d'être venue au garage de Gecko. Bonjour à tous. C'est une chaude journée ensoleillée et nous allons à la plage. Tournevis détrempé. Le pont est fermé. Et Vicky ne peut pas livrer ses glaces. Je dois avoir de la glace. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Nous allons aider Vicky à se rendre à la plage. Venez avec nous. Voilà. J'ai fait quelques ajustements spéciaux pour aider Vicky à se rendre à la plage. Mais nous avons peut-être encore besoin de la fusée bleue. Bleu? Bleu! Les portes du garage s'ouvrent à grande vitesse. Il est temps d'aider tous ceux qui ont besoin de glace. Oh! Nous avons besoin d'un peu plus de vitesse. Maintenant, bleu! Ça ira, bleu! Nous ne voulons pas dépasser la piste d'atterrissage. Écrou et boulon, nous avons dépassé la piste d'atterrissage. Ne t'inquiète pas, Vicky. Gecko a toujours un plan B.
poubelle périple. À présent, qui veut une glace? Hors de ma vue, poubelle. C'est ma glace. Ma glace. À la prochaine fois, tout le monde. Au revoir.